Je me décide, je prends mon crayon et j'entame mon introspection. J'étais en stand-by, c'est vrai, depuis plusieurs années. Dans ma bulle, dans mon art, je voyais pas plus loin que mon nez. Il m'a qualifié de surdouée, avec un poil à gratter. Mon cerveau, c'est vrai, je l'ai moi-même anesthésié. Pas de lecture, pas de culture. Je suis toujours un peu bornée. Ça fait 4 ans maintenant que je me suis réveillée, découvrant peu à peu mes capacités. Écriture, peinture, sculpture, autodidacte, essayant d'avancer. Tu m'as parlé d'émulation, Mekti. Mais t'as tout à fait raison. Aujourd'hui, j'élargis mon réseau. J'entame des connexions pour favoriser mon évolution. Elle m'a dit, mais t'étais où pendant tant d'années? Cette responsable d'un centre culturel où j'ai dernièrement exposé. Je lui ai dit, ben j'étais chez moi. Cette question, je ne me l'étais jamais vraiment posée. Et peut-être fallait-il que ça se passe comme ça pour qu'aujourd'hui, je puisse tenir ce crayon. Que je puisse terminer cette introspection. À vous qui me suivez, mille merci de croire en ce que je fais.